Vies extraordinaires de Pierre Bellemare. Le 22 août 1911, au musée du Louvre à Paris. Un lundi, le jour de la fermeture hebdomadaire. La direction en profite pour faire effectuer un certain nombre de travaux. Photographier des tableaux, donner des autorisations à des érudits, des journalistes, des artistes qui désirent s'inspirer des chefs-d'œuvre, les étudier, les copier. Un peintre, Louis Bérou, arrive vers 9h dans le salon carré et se prépare à installer son chevalet devant la Joconde. Ah, la Joconde. Le plus beau portrait du monde. Celui de Mona Lisa, la femme au sourire énigmatique, aimée par Léonard de Vinci. Louis Bérou a l'intention de représenter sur sa toile une Parisienne, élégante et futile, en train de se recoiffer en se servant de la vitre qui protège la Joconde comme d'un miroir. Projet un peu ridicule, mais qui à l'époque, en ce début de XXe siècle, a une chance de plaire. Il interpelle un gardien, Monsieur Poupardin. « Dites donc, la Joconde, elle n'est pas à sa place ce matin. On l'a transportée à l'atelier de photo ? » ?»« Oh ben oui, sûrement, si elle n'est pas là. » Ben, c'est que j'en ai besoin, moi, pour mon travail. Soyez gentil, vous ne voulez pas aller voir quand on va la ramener. » Poupardin se renseigne. La Joconde ne se trouve pas à l'atelier de photo. Ben, où est-elle? Aujourd'hui, on chercherait d'abord au laboratoire du musée où sont soignés et même radiographiés les tableaux. Les soins et les recherches qui y sont effectuées donnent un sens véritable au mot conservation. Conservation, conservateur, ces mots-clés qui définissent la mission des musées. En 1911, ce laboratoire modèle n'existe pas encore. Remarquez, pour conserver un chef-d'œuvre, encore faut-il que celui-ci existe. Alors, où est passée la Joconde? Un des bureaux du Louvre aurait-il donné l'ordre de le déplacer pour une raison quelconque? Les employés, les fonctionnaires commencent à s'agiter. Bon, ben, c'est vous qui avez décroché la Joconde? Ben non, pourquoi? Alors, qui est-ce? Enfin, quel est le service qui s'est permis de toucher à ce tableau? Ah, on voit que M. Homol est en vacances, on fait n'importe quoi! Monsieur Homol est le directeur. Pendant son absence, Monsieur Bénédicte, conservateur des antiquités égyptiennes, le remplace. Il prend son petit déjeuner chez lui. Sa secrétaire lui téléphone. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Est-ce que vous avez donné des instructions pour qu'on décroche la Joconde? Moi? Mais jamais de la vie! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, Monsieur Bénédicte et Monsieur Homol vont la prendre à leurs dépens. Et oui, ils sont responsables, ils sont les patrons. Car il faut se rendre à l'évidence. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, on a volé la Joconde. Allô? Allô? Les Beaux-Arts? Monsieur Dujardin Beaumetz pour Monsieur Bénédicte, je vous prie. Le ministre est en conférence. Dites-lui que c'est urgent. On a volé la Joconde. Le ministre croit d'abord à une plaisanterie, mais enfin, voler la Joconde, ça n'a pas de sens. On dit que c'est le tableau le plus cher du monde. Autant dire qu'on ne peut pas chiffrer sa valeur. On dit même que sur le plan commercial, il n'en a aucune, car, enfin voyons, il ne viendrait d'idée de personne, même à l'État, de vendre la Joconde. À plus forte raison, il est impensable de trouver un acheteur, même un milliardaire maniaque qui voudrait posséder Mona Lisa. Il devrait s'enfermer avec elle chez lui sans que personne ne le sache jamais. On ne voit que Howard Hughes, et encore, à l'époque où l'Américain le plus riche du monde vivait seul, cloîtré au dernier étage d'un de ses palaces de Las Vegas. La disparition de la Joconde, événement impossible, relève du merveilleux. On se met à rêver de continents engloutis, de l'Atlantide, de vaisseaux fantômes ou de personnages des mille et une nuits. Le voleur s'échappant dans le ciel des Tuileries sur un cheval volant. Le préfet de police, lui, est plus réaliste. C'est Monsieur Lépine. Le petit père Lépine, comme on l'appelle, un préfet populaire avec sa barbiche en pointe, c'est l'orgnon en bataille. Il appelle le chef de la sûreté, Amar. Vous employez les grands moyens, hein? Et pas un mot à la presse. Vous me connaissez, monsieur le préfet. Vous pouvez être tranquille. Non, mais je n'ai pas envie d'être ridicule, mon petit Amar, hein? La presse est une institution fort utile à condition de savoir s'en servir. Ah, il faut bien dire quelque chose quand même. Pas aujourd'hui. Demain. Dépêchez-vous. Monsieur Amar débarque au Louvre à 12h30
avec 60 inspecteurs. Le musée est fouillé de la cave au grenier. Qu'est-ce qu'on trouve ? Dans l'escalier qui donne sur la cour Visconti, le cadre de la Joconde vide. Et sa vitre, sur laquelle M. Bertillon, le célèbre spécialiste, relève des empreintes digitales. Le juge d'instruction Drioux, surnommé la grenouille, est chargé de l'enquête. Commençons par le commencement, dit-il solennellement. Nous avons de la chance. Le vol a été commis un lundi, jour de fermeture. Donc, par un employé du musée ou par quelqu'un qui avait ce jour-là une autorisation spéciale de s'y rendre. Il n'y a qu'à vérifier les empreintes digitales de tout le monde. C'est enfantin. Tout le monde, ça fait beaucoup de monde. 257 personnes. Les gardiens, les employés, les ouvriers, plombiers, peintres qui travaillaient ce jour-là, les quelques rares visiteurs autorisés, les fonctionnaires, les concierges et même les directeurs qui se prêtent de bonne grâce aux formalités, sans résultat. Aucune des 257 empreintes ne correspond à celle relevée sur la vitre de la Joconde. Le juge Drioux pense qu'il a moins de chance qu'il ne l'espérait. Quand on me confie une affaire, a-t-il coutume de dire en faisant le malin, c'est qu'elle n'est pas malade. Oui, mais n'est pas Sherlock Holmes qui veut. Le lendemain, le juge s'énerve. Alors, toujours rien, inspecteur, ça continue ? Ben si, justement, monsieur le juge. Nous connaissons l'heure du vol. Deux maçons sont passés à 7 heures dans le salon carré. Ils affirment que la Joconde y était. À 9 heures, quand monsieur Bérou est arrivé, elle n'y était plus. Donc, le vol a eu lieu entre 7 heures et 9 heures du matin. Je veux voir les maçons. Ah, attendez, ce n'est pas tout. Un plombier, qui s'appelle Sauvé, a rencontré un ouvrier en blouse blanche devant la porte qui donne sur la cour Visconti. Il l'a aidé à ouvrir la porte avec un tournevis. Il manquait un bouton de cuivre à la porte. Il faut retrouver le bouton de porte. Tenez, le voilà. Nous l'avons retrouvé. Dans le fossé. Sur le quai. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. Je ne vous demande pas comment vous avez fait. Oh, c'est très simple. Un promeneur a vu quelqu'un le jeter et il nous l'a dit. Mais alors, il a aussi vu le voleur. Mais il faut le convoquer tout de suite. Eh, il est ici, il vous attend, je vous l'ai amené. Il m'a dit que le type qui a jeté le bouton portait un paquet rectangulaire sous le bras. La Joconde. Mais oui, ce n'est pas un tableau peint sur une toile que l'on peut rouler, mais c'est un tableau peint sur du bois. C'était sûrement la Joconde qu'on portait sous son bras un homme assez inconscient pour jeter au vu et au su de n'importe qui le bouton de la porte par laquelle il était sorti. Le promeneur interrogé le décrit. Un jeune homme brun avec des moustaches, maigre de taille moyenne, vêtu bourgeoisement, en veston avec un col blanc en celluloïde et une cravate. Une cravate comment ? Ah ça, il ne s'en souvient pas. Mais la porte à laquelle il manquait ce bouton ne donne pas sur la rue. Elle donne sur la cour Visconti. Il fallait donc passer par là. Le juge interroge le concierge. Vous n'avez pas vu quelqu'un sortir avec un paquet, enfin un paquet de 79 cm sur 54 ? Hein, ce n'est pas un petit paquet ? C'est incroyable ! Ben, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le juge ? Lundi, c'est le jour où je lave le vestibule. Alors le temps d'aller remplir mes seaux dans la cour, vous pensez ? Et l'enquête s'arrête là, chez le concierge de la cour Visconti. La police a su reconstituer l'itinéraire par lequel le voleur a pu tranquillement quitter le Louvre avec la Joconde. On pourrait presque dire, en la tenant par la main. C'est un scandale. Cela prouve le laisser-aller, le manque de surveillance qui règne dans un des musées qui possède les plus rares collections internationales. Monsieur Homol, le directeur, qui se trouve en villégiature dans les Vosges, où il fait moins chaud au mois d'août qu'à Paris, monsieur Homol est mis en disponibilité, comme on dit poliment, pour les directeurs congédiés. Le chef du gardiennage, M. Gillenet, lui, est simplement renvoyé. Le vol de la Joconde, fin août 1911, déchaîne la presse. Titre du journal Le Matin, inimaginable, qui est le voleur ? Mystificateur, voleur, maniaque ou fou ? 1911, c'est l'année où l'Allemagne envoie une canonnière, la Panthère, se pointer devant Agadir pour nous empêcher d'établir notre protectorat au Maroc. L'année où le différend franco-allemand en Afrique atteint son point culminant. Le vol de la Joconde, écrit un journaliste, c'est encore un coup de Guillaume II. Le président Caillaux obtient la neutralité de l'Allemagne en lui cédant une partie du Congo et en y perdant, lui, son portefeuille de président du Conseil. Alors, on peut lire,
le vol de la Joconde est un artifice du gouvernement qui cherche à égarer l'esprit du public. D'habiles pickpockets nous chipent le Congo pendant que nous béons sur la Joconde. On écrit des chansons. Elle est retrouvée, la Joconde. Qui qu'a vu la Joconde? Musique chinoise et sur l'air d'auprès de ma blonde, la Joconde en vadrouille. Place Clichy, la revue de l'Européen s'intitule « L'as-tu vu la Joconde ?» L'illustration offre 40 000 francs et les amis du Louvre 25 000. À qui rapportera le tableau? Comme toujours, quand on promet de l'argent, les témoignages fantaisistes abondent. Une vieille fille. « J'ai vu ce lundi-là, assis sur un banc devant le Louvre, un Allemand qui mangeait des cacahuètes d'un air sournois. » Un porteur de la gare d'Orsay. Un gros homme barbu est monté lundi dans le train de 12h45 pour Bordeaux en portant un tableau plat et rectangulaire. On nomme une commission rogatoire à Bordeaux. Un douanier arrête à Valorbe un touriste qui revenait de Suisse avec une boîte de chocolat dont le couvercle représentait une reproduction de la Joconde. C'est le délire. Le sourire de Mona Lisa tourne les têtes. Il est très étrange de constater le pouvoir magique d'une œuvre d'art, à quel point les hommes peuvent être sensibles à l'image d'un amour fixé il y a des siècles en Italie. Et devenu français grâce à François Ier, qui a acheté l'œuvre de Léonard de Vinci, 12 000 livres. Mais un amour tellement français désormais que la possession de cette jeune femme et sa présence à Paris est un point d'honneur. Plus le temps passe, plus les choses prennent dans cette affaire un aspect fabuleux. La police arrête, tenez-vous bien, Guillaume Apollinaire. Que s'est-il passé? Le célèbre poète a un secrétaire belge, Géry Pierret, un peu fou. Celui-ci, un jour, a dérobé au Louvre, par bravade, trois petites statuettes phéniciennes. Il en a mis une sur la cheminée de son patron et donné les deux autres, tenez-vous bien, à Picasso. Pierret, pour se rendre intéressant, écrit à la police. « C'est moi qui ai volé la Joconde !» Perquisition chez Apollinaire. Les policiers ne font évidemment pas attention à la statuette qui se trouve sur la cheminée, mais le poète s'affole, il prévient Picasso. Tous deux enveloppent les statuettes et décident d'aller les jeter dans la Seine. Puis, ils trouvent ça trop bête et y renoncent. Apollinaire a une idée de poète qui s'en étonnerait. Il demande à Paris Journal de restituer anonymement les statuettes au Louvre. La police prend très mal la plaisanterie. La direction de Paris Journal avoue quelle est la provenance des statuettes. Voilà pourquoi l'auteur de la chanson du mal-aimé se retrouve, pour l'amour de la Joconde, en prison, à la Santé. Où il n'y restera que 10 jours. Mais cette arrestation stupide échauffe les têtes. Les têtes officielles d'abord. Le député de la Loire inférieure de la Roche-Vernet interpelle à la Chambre le ministre de l'Intérieur, M. Steg. Les farceurs ensuite. Un journaliste qui connaît bien sûr le surnom du juge d'instruction chargé de l'enquête, la grenouille, dérobe au musée du Luxembourg une grenouille en bronze et la rapporte triomphant le lendemain matin. Un autre journaliste, qui aime les plaisanteries macabres, monte avec des amis toute une mise en scène destinée à prouver que n'importe qui peut passer la nuit au Louvre. Il se fait enfermer dans un sarcophage. « Oh, j'ai eu quelques difficultés à m'endormir », raconte-t-il le lendemain. « Mais enfin, j'y suis arrivé tout de même. J'espérais rêver de Néfertiti. Mais non, je n'ai pas rencontré la plus belle de toutes les reines d'Égypte. Oh, je n'ai d'ailleurs pas rencontré de veilleur de nuit quand je me suis réveillé à 3h du matin et que pour me dégourdir les jambes, je me suis offert une petite promenade dans le musée. Oh, c'est très beau, le Louvre la nuit, et tellement solitaire. On n'y rencontre que des fantômes. C'est impressionnant. Et bien ensuite, je me suis recouché et j'ai repiqué un petit somme, toujours dans mon sarcophage, bien sûr. Le plus drôle s'est passé le matin, quand un gardien est arrivé près de mon tombeau, qu'il m'a entendu tousser. Il est allé chercher un de ses collègues. Quand ils sont revenus, je suis sorti. Je ne voulais pas leur faire peur. En dépit de ces farces, de ces coups montés pour amuser la galerie, c'est le cas de le dire, il faut reconnaître que les enquêteurs, eux, gardent leur sérieux et continuent leurs recherches sans se décourager. Avec une conscience professionnelle exemplaire, ils étudient le cas de tous les ouvriers qui ont travaillé au Louvre. Je dis bien tous les ouvriers, en les prenant un par un et en remontant le temps. En effet, il se base sur le peu de témoignages qu'il possède, se souvenant notamment que l'homme qui s'est débarrassé du cadre et s'est fait ouvrir la porte de la cour Visconti portait une blouse blanche. La police arrive ainsi rue de l'hôpital Saint-Louis chez un ouvrier en bâtiment qui n'a pas travaillé au Louvre le jour du vol, mais au mois de janvier précédent, c'est-à-dire 7 mois plus tôt. Perugia habite une chambre modeste. Le commissaire du quartier perquisitionne chez lui et n'y trouve rien.
Les enquêteurs ne se désespèrent pas. Ils continuent. Voici maintenant qu'ils examinent le cas des ouvriers qui ont travaillé au musée l'année précédente, en 1910. Ce qui prouve, entre parenthèses, que si le Louvre n'était pas bien surveillé, la comptabilité, elle, était bien tenue. Le temps passe. Deux années entières. Vers la fin de 1913, un antiquaire de Florence, Alfredo Geri, fait paraître une annonce dans la presse. Désirant organiser exposition, suis acheteur à bonne condition d'objets d'art. Il reçoit une réponse signée Leonardo Vincenzo. Je m'adresse à vous pour que vous fassiez savoir à quelques-uns de vos confrères que j'ai acquis le tableau de la Joconde pour le remettre à la Galerie des Offices. Dans le cas où on voudrait entrer en pourparler, répondez au bureau de poste numéro 6, place de la République, à Paris. Première réaction d'Alfredo Geri, il s'agit d'un faussaire, et il va jeter la lettre au panier. Puis, il en parle au directeur des offices, Poggi. Il lui conseille de faire venir à Florence ce Leonardo Vincenzo, mais avec son tableau. Le 11 décembre 1913, le rendez-vous a lieu à l'hôtel Tripoli de Florence, où est descendu Vincenzo. C'est un homme d'allure assez jeune, pauvrement vêtu. Son expression est sévère, digne. Un personnage, comme on en voit dans le théâtre expressionniste, qui ne semble pas appartenir à son époque, la belle époque, l'insouciant 1900. L'antiquaire précise. Je vous ai amené le directeur du musée des offices, comme vous le souhaitez. Très bien. Monsieur a-t-il les pleins pouvoirs du gouvernement pour traiter avec moi ? Je les ai. Puisque selon vous, il s'agit d'une œuvre véritable de Léonard de Vinci. Votre prix sera le nôtre. 500 000 francs. C'est d'accord. Je ne discute pas. Encore faudrait-il voir le tableau. Vincenzo ouvre alors un coffret en bois blanc, d'où il retire quelques vêtements et des chaussures. Le coffret paraît vide, non ? Il a un double fond. Et voici la Joconde. Mona Lisa et son sourire qui, dans cette chambre d'hôtel, semble se moquer du monde et du temps, s'amuser même de l'émotion qui étreint l'antiquaire et le directeur du musée. Car il n'y a pas de doute, c'est bien elle. C'est la Joconde. Vincenzo, d'ailleurs, a retourné le tableau. Vous voyez, messieurs, ici, le sceau du Louvre et le numéro d'ordre. Monsieur Poggi s'approche. Vous permettez ? Il remet le tableau à l'endroit et contemple longuement Mona Lisa. Puis-je vous demander pourquoi ce chef-d'œuvre est en votre possession ? Oh, c'est très simple. Je l'ai pris moi-même, au Louvre. Je suis italien. Et j'ai toujours été humilié de voir la Joconde considérée comme une gloire française. N'est-ce pas une belle action de rendre à l'Italie ce qui lui appartient ? En effet, monsieur, mais dans ce cas, il faut transporter immédiatement ce tableau à la place qui lui revient, à la Galerie des Offices. J'aurais préféré d'abord... Non, je vous en prie. J'attends le directeur des musées, monsieur Corrado Ricci. Quand il l'aura vu lui-même, ce n'est plus 500 000 francs qu'il vous donnera, mais une fortune. Cela ne fait aucun doute. Vincenzo naïvement accepte de se séparer de son trésor. Il ne restait plus à la police italienne qu'à l'arrêter. À la question de Florence, il raconte son histoire en détail. Il est entré au Louvre le matin avec des ouvriers qu'il connaissait pour avoir auparavant travaillé avec eux, vêtu comme eux d'une blouse blanche. À leur insu, il a décroché la Joconde, s'est débarrassé de son cadre, a caché le tableau dans sa blouse, s'est fait ouvrir la porte sur la cour par un maçon, a emporté le second bouton de porte qui restait pour éviter qu'un gardien ne rentre et découvre le cadre vide. A enlevé sa blouse et emballé dedans le tableau, et sorti par la cour Visconti, pendant que le concierge s'occupait de laver le vestibule, a jeté le bouton de porte sur le quai. Disons à l'honneur du public italien que le geste romantique de Vincenzo est jugé aussi puéril sur les rives de l'Arno et du Tibre que sur celles de la Seine. Ce qui n'empêche pas évidemment les Italiens de désirer voir Mona Lisa. Celle-ci, noblesse oblige, et d'abord exposé à Florence, à la Galerie des Offices. Puis, à Rome. Au cours d'une cérémonie officielle, la Joconde est rendue par le gouvernement italien à l'ambassadeur de France. Elle prend le train pour Paris. Le roi d'Italie se dérange pour venir la saluer à la gare avant son départ. On croit rêver.
Elle arrive, gare de Lyon, le 31 décembre 1913, à 14h30. Et au fait, Vincenzo et Géry, qu'étaient-ils devenus? L'antiquaire Alfredo Géry, après avoir été décoré pour avoir permis la capture du voleur, après avoir reçu 25 000 francs des amis du Louvre, ne s'estime pas satisfait. Il réclame, par l'intermédiaire d'un avocat, 10% de la valeur du tableau. 10% de combien? Aucun des experts consultés ne sont d'accord. Alfredo Géry est simplement débouté de sa demande. Quant au voleur, son procès a lieu en juin 1914. Son défenseur plaide l'irresponsabilité et fait appel au peuple de France, chevaleresque et généreux. Vincenzo est condamné au minimum 1 an et 15 jours de prison. Mais au fait, je ne vous ai pas dit que Vincenzo n'était que son prénom. Il s'appelait Vincenzo Perugia. Ce Perugia dont je vous parlais tout à l'heure, chez qui les policiers français étaient venus perquisitionner rue de l'hôpital Saint-Louis. N'ayant rien trouvé dans la chambre de Perugia, le commissaire prit une chaise et s'assit devant la table pour rédiger son procès-verbal. Or, la Joconde était là, oui. Elle était dans cette pièce de dimension modeste, facile à explorer. Elle devait même y passer les 2 années entre son départ du Louvre et son arrivée à Florence. Mais où se trouvait-elle dans cette chambre? Eh bien, tout simplement, sous le tapis qui recouvrait la table. Mona Lisa souriait toujours, bien sûr, pendant que le commissaire écrivait en s'appuyant sur elle.